Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mafia 3 dans laquelle je vais vous présenter un peu le jeu. Oh purée, je vais vous présenter un peu le jeu, vous donner mon avis, les points positifs, les points négatifs, etc. Comme d'habitude. Donc Mafia 3 je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Bon, bien entendu cette vidéo là va sortir longtemps après que je l'ai joué, mais tout simplement parce que je voulais encore avoir des missions actives et ça m'embêtait un peu de recommencer tout pour vous faire une vidéo. Donc là on est à peu près, enfin je vais pas dire au milieu du jeu, on est à peu près au début. J'ai fait que quelques quartiers, donc voilà, je vais essayer de vous résumer. Je vais essayer d'un peu vous parler de l'histoire pour le moment, ce que j'en sais. Et ensuite vous parler un peu des missions qu'il y a à faire et toutes les quêtes annexes, le gameplay, etc. Comme d'habitude. Donc bref, pour un peu l'histoire, alors Mafia 3, j'ai pas vraiment suivi le début parce que je trouve que le début est assez rapide. Mais si je ne dis pas de bêtises, en fait, notre personnage Lincoln Clay, je crois, son nom de famille, je crois que c'est Clay. Enfin Lincoln en tout cas a été à la guerre, il est revenu il y a pas longtemps. Il a été revoir son père adoptif, etc. Puis au bout d'un moment, il y a eu une baston avec le boss, entre guillemets, du jeu qu'on va devoir tuer. Et enfin, non, tout se passait bien. Et au final, ils ont tué, ils ont fait un petit coup de pute, hein, tout simplement. On va dire ça comme ça. Donc, il a tué son frère ou son demi-frère. Enfin, j'ai pas trop compris, mais en tout cas, il le considérait comme son frère, en tout cas. Mais je crois pas que c'était son père. Et Sammy, donc, qui est son père adoptif, si j'ai bien compris. Enfin, je pense pas que ce soit son père, parce que je sais qu'il y a pas longtemps, il disait que son père, il n'avait pas connu ses parents, etc. Enfin bref. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et du coup, nous, on a décidé de remettre toute la ville sous notre main, entre guillemets, pour pouvoir lui foutre les boules et en fait descendre en fait chacun de ses colonels ou de les sauver. Et à la fin, pouvoir tuer, on va dire, la tête du serpent qui est tout en haut. Voilà, donc là on est sur la map, je vais vous montrer un peu la map, un peu comme elle est grande, et un peu ce qu'il y a à faire, etc. Donc là-haut, je pense que ça doit être un DLC qu'il y a à faire, je pense. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça pour rien, quoi, enfin c'est un petit peu con. Ensuite, vous voyez qu'il y a des quartiers verts, des quartiers bleus et des quartiers roses, enfin violets. C'est tout simplement en fait nos colonels. Il faut savoir qu'on a trois colonels, donc Burke. Là, normalement, c'est Vito. Enfin, là, on va mal le voir, mais c'est Vito. Oui, voilà, Vito et Cassandra qui est là. Donc, Cassandra violet, Vito bleu et Burke vert. Et en fait, vous pouvez attribuer, quand vous libérez un quartier, vous pouvez attribuer le quartier en question à chacun des trois personnages. Donc là, par exemple, j'ai donné à Vito, mais le prochain, par exemple, je donnerai à Burke, etc. Je vais essayer de faire en sorte que chacun des quartiers, en fait, que les quartiers soient donnés équitablement. Voilà. Donc c'est pour ça, alors à la base vous en avez qu'un chacun, ça c'est obligatoire, mais après vous pouvez très bien donner tous les quartiers à une seule personne, donner deux quartiers, enfin bref, vous avez compris le truc. Les quartiers, comment ils se libèrent? Et bah tout simplement, ça va être la base principale du jeu, c'est qu'il va falloir aller parler à deux personnes, généralement par quartier, deux ou trois personnes, mais je crois que c'est deux, qui vont lancer différentes missions. Donc là par exemple on a Connie et on a Maria. Donc vous voyez les couleurs, ça c'est pour Maria et l'autre c'est pour Connie. Alors là j'ai pas de mission mais ils sont là, ils sont dans le bayou, mais je vais pas aller dans le bayou pour cette vidéo là parce que c'est vraiment loin et vraiment chiant. Donc du coup on va surtout s'attarder ici pour la vidéo et on va donc faire ces missions là. Donc vous devez faire un total, par exemple vous voyez à gauche c'est écrit tuer les nettoyeurs, dommages restants 1125$. Et bah quand ça sera arrivé à zéro, nous pourrons aller lui reparler et ça nous permettra de lancer une mission où qu'on va devoir tuer le colonel ou le lieutenant, je sais plus, l'un des colonels et l'un des lieutenants de ce territoire là, qui permettra ainsi donc soit de le tuer, soit de l'épargner. Et ensuite on pourra réattribuer ce quartier là à quelqu'un d'autre quand on aura fait les deux quartiers, quand on aura tout libéré. Donc là la vidéo ça va être surtout de tuer du monde, enfin de tuer du monde, de faire des petites missions et de vous parler un peu du jeu. Pendant qu'on est sur la carte encore, je vais vous montrer d'autres choses. Par exemple ici, enfin je vais surtout vous montrer ça. Ceci en fait est des boîtiers de raccordement qui permettent de mettre la ville sur écoute, en tout cas un bout du quartier sur écoute. Donc là par exemple ça doit être là, voilà, si on dit en gros ça doit être ça je pense. Et c'est très utile par exemple pour tuer les boss parce que en fait ça va permettre de pouvoir les sauver si vous avez tout remis. Donc ça, pour ça il faut 3 relais je crois, je sais plus comment ça s'appelle, normalement c'est relais T9, voilà, TL49, fusible TL49. Et tous les points verts que vous voyez c'est des fusibles, donc il y en a beaucoup à récupérer. Je pense même sincèrement qu'il y en a plus à récupérer que de boîtiers
de raccordement à ouvrir. Donc voilà, après ça c'est les dinners, c'est les bars, etc. C'est pas vraiment utile, mais sauf si vous voulez trouver par exemple de la vie, parce que dedans il y a des boîtes à pharmacie généralement, pour vous montrer un peu une icône de boîte à pharmacie, voilà par exemple près de là il y en a. Donc là les pharmacies et les armuriers. Hop là, j'ai quitté la carte sans vouloir. Donc voilà un peu pour résumer, il y a également des courses, des missions secondaires, etc. Un peu par-ci, un peu par-là. Là, il y a des courses, par exemple. Et la mission secondaire, je crois qu'elle est là. Mais c'est vraiment des trucs pas top. Généralement, faut juste parler. Voilà, par exemple, essayer de parler de soldat à soldat. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas top. Les missions optionnelles, en tout cas. Je vais juste vous montrer maintenant la roue des armes. Enfin, moi, j'appelle ça la roue des armes, mais c'est pas vraiment... Enfin, si, oui. Donc, la roue des armes, ça, vous débloquez pas tout dès le début du jeu, bien entendu, mais vous débloquez ça au fur et à mesure. Vous avez le trafiquant d'armes qui va permettre d'améliorer... Enfin, d'amener des armes et ensuite de les améliorer, si vous voulez. Enfin, pas que des armes, d'ailleurs. Il peut aussi amener, je sais pas, moi, par exemple... Enfin, il y a, par exemple, vous pouvez acheter des seringues, etc. Enfin, tout ce qu'il vous faut pour vous soigner et les améliorations. La livraison de véhicules, vous avez compris, c'est pour livrer un véhicule. La conseillère, alors, conseillère sert à plusieurs choses. À la base, elle sert surtout pour déposer votre argent. Puisqu'il faut savoir, dans ce jeu-là, quand vous mourrez, vous perdez la moitié de votre fric. Ça fait très mal quand vous avez beaucoup de fric, donc je vous conseille de le mettre souvent, de le mettre vraiment souvent, l'argent. Alors au début, vous allez le mettre au coffre, mais ensuite vous faites appel à la conseillère qui va pouvoir permettre de le mettre directement là-bas, sans que vous ayez à bouger, et également récupérer tous les rétro-bonus. Alors les rétro-bonus, ça je vous en ai pas parlé, mais en fait chaque quartier rapporte de l'argent, ce qui est normal. Et au bout d'un moment, vous allez ce qu'on appelle le rétro-bonus, qui va apparaître sur chacun des boss du quartier. Et vous allez pouvoir ainsi, quand vous aurez amélioré à un moment la conseillère, ça va vous permettre d'aller récupérer automatiquement l'argent. L'opératrice qui permet de couper le téléphone, enfin en fait les soldats au bout d'un moment appellent du monde, donc ça permet de couper la communication. Ça c'est pour envoyer la police ailleurs, donc pour vous éviter du grabuge. Et le commando, j'ai pas encore fait, mais j'imagine que c'est pour amener des personnes à vous aider tout simplement. Voilà. Échec du service, pas d'argent déposé. Ah, j'ai dû appuyer sans vouloir là-dessus. Bon, maintenant on va parler du gameplay. Alors gameplay plutôt cool pour ce qui est d'à pied, mais je vais vous en parler maintenant du gameplay à véhicule que je trouve juste horrible. Alors avancer, reculer c'est bien, mais pour tourner c'est vraiment dur, le frein à main réagit très mal. Je trouve que dans ce jeu, la conduite de véhicule est vraiment très mal faite. Pas nul à chier, hein. Il y a des jeux qui sont pires que ça, je suis tout à fait d'accord. Mais vraiment assez dur, vraiment, vraiment pas maniable du tout, les véhicules sont vraiment pas maniables, et c'est un des gros points que je trouve, c'est vraiment un des gros points négatifs. C'est assez gênant parce que des fois, quand on doit faire une poursuite, quand on doit faire des courses, etc., bah c'est assez gênant, mais bon. Donc là, on va passer à du gameplay discret, on va juste éliminer celui-là, donc j'imagine que je vais me faire repérer par les autres. Ah non, même pas, ok, tout le monde s'en bat les steaks. Donc le gameplay est assez simple, vous faites A pour vous coller au mur, et ensuite on essaye d'éliminer le plus de personnes, en tout cas pour moi, discrètement. Après bien entendu ça va être un peu plus compliqué. On va faire la petite flèche de gauche, en fait ça va faire un petit sifflement qui va attirer tout le monde. Bon là le problème c'est que tout le monde a les yeux rivés sur moi, et quand je vais faire ça, voilà, tout le monde va se jeter sur moi. C'est pas grave, on va passer à une autre phase de gameplay qui est donc l'arme. Donc l'arme qui est pas vraiment compliquée, par contre faut vraiment faire attention parce que votre vie descend vraiment vite. En tout cas, je trouve. En même temps, là, je suis derrière des palettes. C'est normal que ça va pas me sauver. Et j'ai plus de vie. Et voilà. Je suis mort. Bon, bref. Je suis mort. Il y a aussi un mode. Il y a des difficultés que vous pouvez modifier. Et le problème aussi. Un des autres problèmes de ce jeu, à part vraiment la conduite des véhicules, que je trouve vraiment pas agréable, vraiment pas agréable, c'est également les chargements qui sont assez longs. Après, il y en a, ils vont dire la carte est grande. Alors, en aspect, oui. Mais dans le jeu, non. Je veux dire par là qu'elle paraît peut-être plus grande que certaines autres maps que vous avez fait. Mais quand vous allez d'un point A à un point B, ça se fait vraiment vite. C'est vraiment pas long. Par exemple, quand vous allez dans le bayou, c'est vraiment assez rapide. Vous voyez genre 4000 kilomètres parce que bon, c'est pas vraiment des kilomètres. Mais enfin voilà, vous voyez que la distance est de 4000. Vous dites, waouh, ça va durer hyper longtemps pour arriver là-bas. Alors que, bon, c'est assez long, c'est sûr, mais c'est vraiment pas compliqué. Bah, vous voyez, par exemple, là... Ah non, c'est 418, j'allais dire 4000, mais non. Donc, ça, c'est un peu mal fait, c'est un peu dommage que... Enfin, que ça soit long à rouler, non, mais c'est un peu dommage dans le sens où que... Bah, où que la carte paraît grande, et qu'au final, elle est petite. Donc, ça, c'est vraiment gênant, mais bon, c'est pas...
c'est pas le truc le plus grave. Le plus grave pour moi, c'est vraiment la conduite des véhicules. Par exemple, là, vous voyez, quand je tourne, le véhicule a vraiment du mal. Bon, vous allez me dire, c'est normal, t'as une caisse pourrie. Mais oui, certes. Mais même quand je prends une très bonne voiture, par exemple, on peut le tester. Hein. On va le tester tout de suite avec une très bonne voiture. Je vais appeler tout simplement le livraison de véhicules. Vous avez plusieurs véhicules qui se débloquent après. On va en prendre une sportive, tiens, par exemple. Hop, on va prendre celle-là. Et vous allez voir que bah ça glisse. Ah oui, merde, je l'ai appelé quand j'étais dans une voiture. C'est sûr que le gars va me dire, tu me prends pas pour un con, tu me demandes une voiture alors que t'es dans une voiture, c'est un peu dommage. Mais la conduite de véhicule est vraiment horrible. Moi en tout cas je trouve que c'est vraiment dommage. Par exemple les courses je les ai pas encore faites parce que j'ai peur de comment ça va rendre quoi, parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Pour ce qui est après du gameplay, comment dire, à pied, le gameplay est plutôt simple mais vraiment bien. Après bon, je vais le faire là parce que sinon après je vais tirer les flics. Pour viser c'est LT, pour tirer c'est RT, pour vous accroupir c'est le joystick droit, pour vous coller à quelque chose c'est la touche A. Donc c'est vraiment des touches pas trop compliquées, B pour être au corps à corps, X pour recharger. C'est vraiment pas compliqué, RB pour changer d'arme, mais également si vous le maintenez, activez la roue des armes. Quand vous faites ça, vous pouvez faire RB pour changer vos gadgets entre guillemets. Donc là je vais laisser l'incendiaire. Pour faire les gadgets, c'est tout simplement maintenir la touche LB. Si je dis pas de bêtises, je regarde parce que j'ai un doute. Non, RB, pardon. Donc voilà, ça c'est vraiment pas compliqué, le gameplay est plutôt sympa, plutôt cool. Le fait qu'il y ait de la discrétion, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt sympa. Je m'attendais vraiment pas à trouver de la discrétion dans Mafia 3. Faut savoir que j'avais fait Mafia 2 et que j'avais pas du tout aimé, j'avais pas du tout accroché. Le jeu n'était pas mauvais, hein, bien entendu. C'est juste que j'avais pas du tout accroché, là pour le moment j'accroche. Alors j'avoue que le début de l'histoire est peut-être un peu trop rapide. On est un peu trop dans le truc, voilà, tu dois récupérer les quartiers, machin, machin, machin. Tu dis, wow, 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 je viens juste de démarrer le jeu et tu me dis tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu rapide, le début. Et je trouve que bah, le fait que ça soit rapide, ça nous permet pas de nous mettre dans l'ambiance. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Après, le reste, les personnages sont vraiment attachants. Enfin, vraiment attachants. Ils ont du charisme, quoi, voilà. Ils sont pas attachants non plus, mais ils ont du charisme. Les graphismes sont pas dégueulasse, ça va. Enfin, je trouve que les graphismes in-game sont un peu plus sales. Après, les graphismes pour ce qui est des cinématiques, ça va, c'est correct. Hein. Ça peut être mieux, mais c'est correct. C'est pas vraiment horrible à regarder. Donc voilà. On va passer directement ici. Par contre, là, je me suis fait à peine griller. Ah oui, j'ai pas dit, mais pour sauter, c'est la touche Y. Ça me paraissait un petit peu logique. Le seul petit truc qui peut être chiant, c'est que. Waouh! Ok, je me suis fait tirer dessus directement, je ne sais pas d'où. Bah, je l'ai pas vu. Ah, j'ai pas dû le tuer. J'ai pas dû le tuer, merde, autant pour moi. Par contre, là, vous voyez que je vais vraiment galérer parce que j'ai plus du tout de vie. Et vu que je suis un gros flemmard, j'ai pas eu la force d'aller en chercher. Alors que vous pouvez juste appeler le magasin. En fait, j'essaye d'économiser l'argent, surtout pour peut-être me payer des grosses armes plus tard. Je sais pas si ça passe à travers. Apparemment, non, ça passe pas. Merde. Ah. Après, je vais vous parler aussi de d'autres fonctions qui sont faisables à faire et que je trouve vraiment mal fait. Enfin, c'est un peu dommage, c'est un peu con. Mais bon, d'abord, on va essayer. Donc, quoi que je vais vous en parler maintenant, on va faire start. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs menus, donc les cibles, etc. Ça, je vais passer. Les alliés, le journal, bien entendu, la collection, c'est tout ce que vous pouvez récupérer. Les options, le jeu et bah l'autre c'est tout. Alors les options, en fait je vais vous montrer quelque chose que j'ai eu du mal à trouver parce que c'est vraiment très mal fait. Donc bien entendu vous pouvez changer la difficulté, mettre facile, moyen, difficile, voilà. Le mode de conduite normal, simulation, bon pour l'instant je mets normal. Peut-être que la conduite est mise en simulation, à tester, je verrai ça plus tard. Et là neutralisation corps à corps, vous voyez qu'il y a non létal et létal. En fait si vous mettez létal, je vais vous montrer après, donc les sous-titres, ça après, c'est pas vraiment gênant. Ça c'est pas vraiment gênant, mais ça que je trouve mal fait, c'est la neutralisation au corps à corps. Ils auraient pu faire une touche comme d'autres jeux, par exemple, en tête j'en ai pas, mais par exemple Assassin's Creed, oui si on prend ça, ça a rien à voir, je suis totalement d'accord, ça a rien à voir. Mais dans Assassin's Creed, par exemple, quand on est en mode discret, on peut choisir entre attaquer, on va dire, méchamment... ah merde, j'ai plus du tout de munitions. on peut choisir d'attaquer quand on est en mode discret, on peut choisir soit de tuer avec la lame secrète, soit de tuer à la main, quoi, comme d'autres jeux. Hein. J'ai pris Assassin's Creed totalement à hasard, mais si on prend par exemple, je sais pas moi, un jeu discret, j'allais dire Hitman, mais Hitman, j'ai un doute. Par exemple, prenons Splinter Cell. Splinter Cell, quand nous sommes à couvert, nous pouvons juste soit étouffer les personnes, donc les rendre inconscientes,
soit directement les tuer. Et ben là, c'est un peu dommage parce que vous allez voir, enfin, vous allez voir, non, parce que là, il faudrait que les ennemis viennent vers moi, et en l'occurrence, ils veulent pas le faire. Mais là, ce que je trouve mal fait, c'est qu'en fait, faut aller dans les options, choisir non létal ou létal, et vous pouvez enfin choisir, on va dire, votre degré de méchanceté pour tuer. Et ça, je trouve ça mal fait. Ils auraient pu mettre un petit menu justement dans la roue d'armes, par exemple. Ou je sais pas, par exemple, moi dans la roue d'armes, on met un petit truc et puis voilà, couteau ou pas couteau. Et là, je trouve ça vraiment dommage, c'est un peu con, parce que moi par exemple, je suis pas trop, enfin, bien, j'allais dire, je suis pas trop tuerie, mais si, mais je veux dire, enfin, je préfère quand c'est non létal, je trouve ça plus discret, plus sympathique pour les ennemis, plus gentil, on va dire. Mais là, c'est dommage d'aller dans les options pour changer le couteau, etc. C'est un peu dommage, ça c'est un peu mal fait. Mais bon, il faut le savoir, hein, parce que moi, par exemple, je sais très bien qu'ils le disent au début du jeu, je suis pas débile quand on vous explique le jeu, mais le problème, c'est que moi, sur le coup, je me suis dit, ok, enfin, je pense que c'est arrivé à pas mal de monde, on se dit, oui, cool, c'est bien, je m'en branle, quoi. Mais, au final, on s'en rappelle plus une fois qu'on en a besoin. D'ailleurs, là, je sais même plus aussi qu'il faut aller, option, ah oui, c'est là, jeu et... neutralisation corps à corps non létale, parce que moi je suis gentil avec les ennemis. Donc vous voyez, la mission n'est pas vraiment compliquée. Là, je vais vous montrer un peu. Bon, là ça sert à rien parce que j'ai déjà terminé la mission, enfin j'ai déjà fait assez de dégâts pour parler et lancer la prochaine mission. Mais là, en fait, c'est surtout parce que moi je fais ça pour récupérer de l'argent par-ci par-là, parce qu'il faut savoir que les ennemis en laissent dans ces lieux-là justement où vous allez faire les missions. Et également, j'aime bien terminer le jeu comme il faut, donc j'aime bien tout faire, même si ça sert pas vraiment à grand chose, puisque j'ai déjà la possibilité de continuer la mission. Mais voilà, je préfère le faire. Pourquoi ça veut pas? Voilà. Donc voilà les amis, pour mon avis, pour vous donner mon avis et terminer là sur cette vidéo, Mafia 3 n'est pas mauvais, il pourrait être amélioré, il y a quelques trucs qui sont améliorés. De ce que j'ai lu également, le jeu est buggé, était buggé au début, à sa sortie. C'est vrai qu'il a pris un petit coup assez vite au niveau de son prix. Le jeu n'est pas mauvais, n'est pas nul, mais il aurait pu être amélioré en fait dans son gameplay et dans sa facilité de jeu, dans la facilité à jouer, parce que tout simplement, voilà, par exemple la conduite en véhicule, je pense que je suis pas le seul, mais je trouve vraiment assez dur à prendre en main pour ce qui est des véhicules. Pour ce qui est du gameplay à l'arme, comme je vous ai dit, ça va, mais vraiment le véhicule et le fait d'aller dans les options pour enlever l'étal non létal, je trouve ça un peu mal fait, je trouve ça un peu dommage, alors qu'une petite icône avec le couteau aurait suffi bien amplement à ça. Donc voilà, le jeu n'est pas mauvais, c'est un jeu très sympa que je vous conseille fortement si vous aimez bien. Pour ceux qui n'ont pas aimé Mafia 2, essayez quand même Mafia 3, il peut peut-être vous plaire. En tout cas, si vous aimez bien, tout faire, les petites missions, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas mal de petites missions, hein. Les grosses missions, il n'y en a pas vraiment dans ce jeu-là. C'est plutôt des petites missions à les libérer. C'est très répétitif comme jeu, mais c'est pas déplaisant. Voilà, moi je vous conseille peut-être à bas prix pour pas que vous fassiez une erreur. Voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo sur Mafia 3 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve mercredi pour un nouvel épisode de notre Let's Play, j'allais dire walkthrough, on a arrêté ça, de notre Let's Play sur Assassin's Creed, et sinon dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce les amis, geek et bien, c'était Shadow Nightmare, et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.